Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour que je vous parle du film Room. Ce film est sorti le 9 mars 2016 et il dure environ 2 heures. Il est réalisé par Lenny Abrahamson, avec comme acteurs Brie Larson, Jacob Tremblay. L'histoire raconte la vie de Jack, qui a 5 ans et qui vit avec sa mère dans une petite pièce. Elle lui apprend à jouer, à rire et à comprendre le monde qui l'entoure, sauf que le monde qui l'entoure ne se joue que dans une chambre où ils sont prisonniers. Elle est prête à tout pour faire découvrir un monde beaucoup plus vaste à son fils, mais il n'est pas préparé à ça. Ce film a eu 7 prix et 8 nominations dans des festivals. Déjà ce film, je lui mettrai la note de 4,5 sur 5, voire 5 sur 5, tellement que je l'ai adoré et tellement que qu'il m'a plu et que je continue de le regarder et que je le regarderai encore sûrement. Cette histoire est inspirée de faits réels, notamment l'histoire de Elizabeth Fritz, ainsi que Jesse Lee Dugard et de Natasha Campouche, qui ont toutes été séquestrées et qui ont vécu plus ou moins la même histoire. Déjà, ça rend le film beaucoup plus poignant, beaucoup plus réel en fait, on a l'impression d'y être. Les deux acteurs principaux, donc la mère et le fils, sont vraiment extraordinaires et ils sont d'une sincérité, d'une... Ils jouent tellement bien que on a envie de tout leur donner en fait. Au début du film, on ressent l'oppression de cette minuscule chambre où ils sont enfermés. Puis par la suite, on voit parfaitement le retour à la liberté et le soulagement total des deux victimes. Ce qui rend ce moment-là vraiment poignant, vraiment touchant, vraiment... C'est poignant quoi. Leur reconstruction hors de cette petite chambre est tellement bien jouée, autant pour la mère, autant pour le fils, autant pour les personnes qui les entourent. On ressent chaque difficulté que Jack a à intégrer ce monde qu'il ne connaissait pas du tout et dont sa mère ne lui avait pas expliqué l'existence. Mais on voit quand même qu'il a tous ses repères dans cette petite chambre et qui veut pas lâcher ses repères, qui veut pas avancer sans ça.